Après 2 mois de vacances bien méritées, c'était l'heure de la rentrée des classes ce mardi matin pour les écoliers rombasiens. Mais c'était aussi la rentrée des parapluies. Un véritable temps de rentrée à refroidir élèves, enseignants et parents. Et pourtant, les mines étaient plutôt joyeuses. Ici, à l'école élémentaire du Rombois, tout le monde avait l'air en pleine forme. Je me suis réveillée à 6h30 parce que j'étais pressée d'aller à l'école. T'es pressée d'aller à l'école? Ouais. Pourquoi? Pour retrouver mes copains et pour commencer les devoirs. Allez, on reviendra ici un petit peu plus tard, on file de l'autre côté à la maternelle du Rombois. Il est tout juste 8h30, les parents et leurs enfants investissent les couloirs de l'école et les maîtresses accueillent avec le sourire tout ce petit monde, une rentrée qui se passe sans problème. Pour l'instant, elle se passe très bien. Nous avons eu 2 pleurs, 3 pleurs, mais en gros, comme vous pouvez le constater, les enfants s'amusent et semblent à l'aise. Alors, en 2 mots, le programme de cette année, ça va être quoi? Alors, le programme de cette année, il a sensiblement changé puisque nous avons de nouveaux programmes. Il est toujours basé sur la motivation des enfants pour rentrer dans les activités. Une place au jeu plus importante a été faite pour les plus jeunes et les moins jeunes aussi d'ailleurs. Et globalement, je pense qu'on va s'adapter très facilement à ces nouveaux programmes. Et au Rombois, j'ai vu que vous avez 2 grosses classes chargées là. Oui, alors c'est vraiment la première année depuis longtemps où on a autant d'élèves dans nos classes, puisqu'on en a 62 pour 2 classes, alors qu'il y a quelques années encore, nous étions à 3 classes avec 56 ou 57 élèves, période bénie à ce moment-là. Il est 9h, on retourne à l'école élémentaire du Rombois. Entre distribution du matériel scolaire et premier exercice de l'année, pas le temps d'avoir encore la tête en vacances. Ici, c'est du sérieux, c'est bel et bien la rentrée. Vous êtes libre, vous écrivez comme vous voulez.
Direction maintenant la maternelle Chanteclair. Il est 9h15, du côté des grands et des moyens, tout va bien. Certains dessinent ou font des puzzles, d'autres réalisent des constructions avec des jeux en bois ou en plastique, certains jouent à la poupée ou avec des petites voitures. Bref, la rentrée chez les grands et les moyens s'est bien déroulée. Du côté des petits, tout le monde s'amuse, mais pour un ou deux, l'absence des parents se fait ressentir. Il y a un peu de larmes, mais tout rentre dans l'ordre après un câlin et tout le monde se remet à jouer avec les animaux, la dinette ou encore les épingles à linge. Il est maintenant 9h45, à l'école primaire de la Ville Basse, tout le monde est bien installé et les enfants sont déjà bien concentrés. Les élèves rangent leurs affaires, colorient leurs cahiers de liaison et mettent leurs noms sur leurs livres. Bref, une rentrée tout en douceur qui permet aux élèves de prendre leurs marques. Du côté de la directrice, tout va bien. La rentrée est toujours un bon moment. J'étais contente de les retrouver, avec les parents aussi. Ben, c'est toujours un plaisir, puisqu'on n'aurait pas de vacances si on n'avait pas de travail, et c'est le plus beau métier du monde. Et pour le programme de l'année, pas de grands changements.
C'est le CM2, donc on va les emmener tout doucement vers la sixième. Travailler beaucoup les maths, le français, faire de l'histoire, de la géographie, des sciences, de l'anglais aussi, et pas mal de sport, puisque c'est l'année du sport. Voilà, la matinée est déjà bien avancée. Il est 10h10, c'est l'heure de la récréation. Alors les enfants sortent leur goûter et leur boisson, se mettent en rang et se rendent dans la cour pour se défouler et discuter avec leurs camarades. On retourne dans une maternelle, mais cette fois à la ville haute. Il est 10h30, seuls les petits et les tout-petits ont fait leur rentrée, et c'est déjà l'heure du goûter.